Bonjour. Bonjour. Dites-moi, comment ça se passe ? Bah tenez, soyez la bienvenue, je vous laisse un flyer, tout est expliqué dessus. Donc vous allez prendre part à une aventure sur cet après-midi qui va se jouer depuis votre téléphone. D'accord. Vous téléchargez une application qui est gratuite et il y a un jeu dedans qui vous attend. L'aide, elle va vous donner directement sur Facebook. D'accord. Voilà, donc la partie, on pense qu'en une heure, c'est réglé. Vous allez devoir arpenter les allées de la caserne de Bonne, de tout le centre commercial et résoudre un tas d'énigmes pour résoudre le jeu. Donc j'ai juste l'application à télécharger. Et c'est après, ça. Et elle est gratuite. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner ? Oui, en jouant, vous participerez automatiquement au tirage au sort qui va avoir lieu mercredi prochain. D'accord. Pour gagner un vélo urbain qui est mis en jeu par notre partenaire la caserne de Bonne qui nous accueille aujourd'hui. Eh ben c'est super. Je suis le cofondateur d'Only the Brain, qui a été fondé il y a maintenant 4 ans. Et on propose aux Grenoblois une heure d'aventure dans notre établissement à travers des thématiques et des scénarios très grand public comme la Casa des Papels, Star Wars, Very Bad Trip, Harry Potter, l'hôpital clandestin, des thèmes qui parlent à tout le monde. Donc nous sommes partenaires de Move 2019 pour cette édition. L'Escape Game, c'est un moyen super efficace d'expliquer de manière ludique des thématiques qui parfois sont un petit peu plus compliquées à expliquer aux gens. Donc comme ça peut être le cas pour la transition écologique, comme les modes de déplacement, d'où les modes de déplacement donc de demain, nous on s'en charge à travers le jeu. Bleu et rouge, ça passe qu'un. Il y a une application à télécharger et en fait on suit les instructions directement sur cette application et on doit se déplacer un peu autour de la caserne. Et comment on fait pour être le premier ou le dernier? Il faut réfléchir, il faut être malin. Il n'y a pas de classement, non. C'est... Mais nous, on s'est lancé un petit défi. Ouais, un défi personnel. Du coup, on a pris le premier créneau pour être toujours en premier sur les épreuves. Voilà.